Sing on Kralala, le soutien conditionnel. L'homme propose, Dieu dispose. Tous les jours les gens pleurent, mes amis faites attention. T'as qui demandé ton ami, tu sais pas comment tu vas finir. Tous les jours les gens crient, mes chéris faites attention. T'as qui demandé ton voisin, tu sais pas comment tu vas finir. C'est ce qu'on voit fuir. Ne dis jamais jamais, ne dis jamais jamais. Ne dis jamais jamais, comme la vie on ne sait jamais. Ne dis jamais jamais, ne dis jamais jamais. Ne dis jamais jamais, car la vie on ne sait jamais. Tu peux quitter de dernier et devenir premier. Ou tu peux quitter de premier et devenir dernier. Tu peux quitter de zéro et devenir héros. Ou tu peux quitter de héros et devenir zéro. La vie elle est bizarre, nul ne connaît le futur. La vie elle est bizarre, nul ne connaît son futur. La vie elle est bizarre. C'est-à-dire du jour au lendemain, tu peux te retrouver loin. Ah, ça. Officier Kadash, tu sais comment, depuis là même, j'essaie d'attirer ton attention, tu ne me gères même pas. Hein. Pourquoi? Mais je parle, je suis en train d'attirer ton attention sur le sujet des réseaux sociaux et tout, j'essaie de, mais c'est comme si je prêchais au désert. Vraiment, Ipengono. Je ne savais pas que tu es si hypocrite. Dans ce commissariat, chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, moi je cours, je viens te dire. Mais quand c'est pour toi, tu caches. Ipe Oya n'est pas là depuis ces jours. Je vois ton cœur. Tu vois ton cœur. Et j'ai appris que c'est à cause de ta relation avec lui que le commissaire lui a donné des mises à pied. Est-ce que tu m'as dit? Pourquoi nous sommes aussi comme ça, Léon? Oh, comme ça, Léon, je ne peux pas le dire. Mais c'est quoi cette histoire, au juste? Donc, pour la petite Castelle que j'ai échangée avec un collègue après le boulot, ça devient qu'on soit ensemble. Mais si on est au niveau des déductions, toi qui me parles là, qui t'es cantage, je t'ai vu dans la voiture du commissaire. Je ne suis pas dans vos choses, là. S'il faut venir au. Auto-conclusion, toi-même, tu avais le commissaire, qu'est-ce que tu faisais dans sa voiture? Puisque tu m'as vu échanger un mot avec mon collègue, tu as dit qu'on soit ensemble. Moi aussi, je peux en déduire que vous sortez ensemble. Mais lui. Donc, tu me dis que c'est avec le commissaire. Mais c'est ce que tu es en train de me faire. Pourquoi je ne peux pas conclure demain, maman? Le commissaire m'a juste raccourci le chemin un soir. Donc, ça veut dire que je peux aussi tirer ma part de conclusion. Tu sors avec le commissaire, toi. Je ne suis pas dans vos saletés. J'étais assise devant la façon dont j'ai. Pardon, je ne suis pas dans les saletés. Je suis venue faire mon travail ici dans ce commissariat. Je me concentre sur mon travail. Il y a un soir que le boss était en train de rentrer, il m'a trouvé en bas. Il m'a dit, je ne sais plus. Il t'a reçu pas dans vos saletés là, pardon. Tu n'es pas dans vos saletés. Il est assez définie. Pardon, pardon, seulement, je ne suis pas venue chercher les hommes pour toi dans ce commissariat. Où tu penses que c'est en faisant ça que tu auras des promotions ou parce que tu vas avoir. Les galons plus que moi. Maman, continue. Tu as d'abord quel galon? Maman, tu as d'abord quel galon? Je vais aller droitement, pas comme toi. Comme moi, je ne vais pas partir. Oui, c'est ça. Tu veux la promotion. Continue. Continue. On n'a pas les mêmes problèmes. Hé, en passant, tu disais que les réseaux sociaux sont pour toi. Hein? Tu disais que ça. Tu es Bordeaux. C'est ce qui donne. Tu flottes la brésilienne de Bruxelles. C'est un gars qui est mon le patron de la forêt. Qui doit, tu n'as pas à traverser la rivière. Le démon. Repos. En passant, nous avons quoi à la main courant ce matin? Il y a déjà, nous avons l'IP Oya qui est absent depuis un certain nombre de jours. Oui, ça, je sais. Et on a deux détenus en garde à vue. Un pour viol et l'autre pour abus de confiance en aveugle. Les dossiers sont où? Comment sur le commissaire? Qui a coté ce dossier-là? Qui a coté ça? Ah, encore toi, Kadash. On dirait que tu me cherches dans ce commissariat. J'avais dit que quand un dossier arrive, vous me tenez d'abord informé, non? Ipe, j'ai essayé de t'appeler, mais ton numéro ne te passait pas. Et à peine j'ai eu le dos tourné, elle est partie de remettre le dossier au commissaire. Encore comme d'habitude. On dirait que tu me cherches dans ce commissariat. Et si tu me cherches, tu vas me voir. Mais j'ai juste fait mon travail.
Ah, tu as bien fait. Tu as juste fait ton travail. Oui. Tu as juste fait ton travail. Laisse-moi te dire, il y a le monsieur qu'on avait fait venir ici. On a interpellé la dernière fois qui avait les faux billets. Paraît-il que tu sois avec lui. Ça veut dire que ce commissariat est en danger. Tu partais pas souvent manger le soir avec lui là-bas, Léo. Moi? Oh, madame, je suis pas en train de discuter avec vous. Bon, comme il en est ainsi, c'est pas grave. Tout à l'heure, je veux que le bureau du commissaire soit propre avant qu'il n'arrive. Tu m'écoutes bien? Est-ce que tu m'écoutes? Continue à bien faire ton travail. Et même ici, même faut, là, je vois les papiers partout. Tu me nettoies jusqu'ici. C'est bien que tu aies compris? N'importe quoi. Comment tu peux t'absenter comme ça? Tu sais qu'on a, on a du boulot ici au commissariat. Mais tu dues déjà. Tu sais... Quel genre de maladie, gars? Laisse ça. Ce sont les émotions que tu as vécues la dernière fois avec le commissaire. Il allait à Kribi là. Gars, pardon. Je ne parviens même pas. Je suis asphyxié des dossiers ici là. Le commissaire ne me laisse pas respirer. Je n'ai même pas une minute de repos. Pardon, il faut faire l'effort. Fais l'effort, tu viens. Et il y a celle-là, la boune là, Kadash. Ipe, tu ne dois pas me croire. Elle nous met les bâtons dans les roues. Elle nous met les bâtons. Il y a un dossier qu'elle est carrément allée donner au commissaire sans m'avoir avisé. Quand il veut faire comment? On ne parvient plus à rien jongler. Rien. Gars, reviens. Oui, gars, fais l'effort. Oui, je sais que ça ne va pas, mais on va seulement supporter. Faisons comme ça. Ok. Bon. À bientôt alors. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Je suis Maître Ikété, avocate au barreau national, et je suis là pour représenter un détenu dans vos locaux depuis 2 semaines. Il y a comme tu nous dors. C'est bien le commissariat un peu le tout ici. Oui, vous y êtes. Il y a comme tu nous dors. Non, pas ici. Il y a comme tu nous dors. Non. Ah, c'est l'escroc là. Il est possible que je puisse échanger avec lui, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas possible sans la permission du commissaire. Ok, est-ce que je peux donc changer avec le commissaire? Je pense que non. Une minute. Bon, je suis en train d'aller pour une réunion vite fait avec le divisionnaire Kenfa à l'immigration. Donc je vais à l'immigration. Et si entre-temps, le colonel Jackson Kamini du génie, s'il arrive là, parce qu'il m'a dit qu'il était à Rome, il est en train d'arriver ici, s'il arrive là, faites-le savoir que je ne suis pas loin. Ou bien faites-moi rapidement un message que je retourne. Voilà. Et s'il y a une urgence, faites-moi savoir, même par SMS. Ok? Ok, ça va. Oui? Elle, c'est? Mon commissaire, c'est l'avocate de M. Biakov, le tenu Biakov, qui a été mis en garde à vue à plus de confiance. Et avant les avocats, on a besoin des avocats ici. C'est marché ici, finalement, quoi? Je suis maître Kété, avocate de barreau national. Ah, avocate! Ah, bon, vraiment, de Dieu, avocate. Attends! C'est vous qui m'avez appelé hier en soirée. Je dis, vous prenez finalement pour qui? Vous m'appelez, vous me donnez au téléphone. Ça va chez vous? Monsieur le comte. Non, écoutez. Apprenez à respecter les gens. C'est vous qui m'avez mis dans la police? C'est vous qui m'avez mis dans la police? Non, c'est pas moi. Je mange chez vous? Je travaille pour vous? Je suis votre locataire? Faites attention.
Ce n'est pas un palais de justice ici. Vous pouvez m'attendre dans votre bureau pour m'attendre dans votre palais. Merde. D'abord, est-ce que vous pouvez baisser un peu le ton s'il vous plaît? Baisser le ton? Dans mon commissariat, vous me donnez des ordres. Monsieur, à ce que je sois, je suis assez calme. Je suis dans mon client et dans vos locaux depuis plus de 2 semaines. C'est pas normal. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? N'importe quoi. Faites attention avec moi. C'est pas vrai. Vous ne connaissez pas bien. Avocat, avocat, avocat de mon œil. Mon œil. Vous connaissez combien d'avocats j'ai dans ma famille? Vous connaissez les avocats que j'ai dans ma famille? J'ai même des procureurs qui sont mes frères, mais qui ne parlent pas sur ce ton. Quand vous prenez votre avocat, vous êtes permis à dire n'importe quoi à une autorité. Ce n'est pas le mot. C'est pas le mot. Dans tous les cas, je vais gérer ça avec la hiérarchie. Comment? J'espère que tu as des doigts au bureau du commissaire. Oui, déjà. Pourquoi je vais plus énerver comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'avocat de type là, mon Dieu, de l'escroc là, celui de abus de confiance là. C'est son avocat qui était là. Attends, la même sœur fille qui dérouille chaque fois là. Mm-hmm. Mais elle a le cœur. Elle voulait être policière. Elle est l'avocat de tous les prisonniers du pays. Elle voulait être policière. Merde, tous les jeunes de femmes, apparemment, elle veut qu'on la garde, elle veut là-bas. Elle veut qu'on la garde bien ici. Qu'elle n'a encore plus jamais ici. D'ailleurs, pas courir une photo d'elle là-bas. Elle n'a encore plus ici. Ok? Mais elle se prend pour qui? Elle veut qu'avocate, c'est quoi? Elle veut qu'avocate, elle veut qu'avocate, c'est quoi? Si moi, je voulais être avocat, je veux qu'avocat de haut échelon. Je veux qu'avocat haut échelon. Vous avez compris, donc, qu'elle n'a pas plus ici. En passant, j'espère que ma sardine n'a pas au frigo. Hein. C'est encore la personne qui a ouvert le frigo, non? Parce que quand j'ai même mes choses ici, là, vous détournez, vous volez, je viens, je ne recouvre plus. Peut-être que je ne me bats, si j'ai ça, je ne vois pas. Hey yo, vous ne vous êtes pas trompé, c'est le El Pichino Monumento Fenomeno, Fingon Tralala. Désormais, voici mon adresse. Parce que nous savons quelles sont vos exigences, vos envies et vos désirs en qualité d'image, Hope Media 237 a vu le jour. Ah oui, Hope Media 237, c'est le chez moi, c'est le chez vous. Nous vous offrons une gamme variée de services, shooting pro, vidéo événementiel, mariage, spectacle, couverture de toute cérémonie, réalisation de vos films d'entreprise, spots publicitaires, publi-reportage, la conception et l'hébergement de vos sites web, la production de vos œuvres, musique, films, séries, documentaires, la location du matériel audiovisuel, de la sonorisation événementielle et des conseils en communication, marketing et publicité. C'est cette grosse maison désormais installé au Cameroun pour la réalisation de vos projets, shooting photo, couvrir vos mariages, conception, émission. Et si vous voulez faire des clips ici, comme ça se passe ailleurs, ne réfléchissez plus. Hope Media 237. Hope Media 237. Avec moi, jusqu'à la gare. Alors, faites comme moi, suivez-moi et qu'ensemble, nous puissions valoriser l'art africain. Et alors, pour le faire, il n'y en a pas deux. C'est avec Hope Media 237. Hope Media 237, c'est le chez moi, c'est le chez vous. Alors, valorisons ce qui est bon. Hope Media 237, votre image dans ce qu'elle a de plus beau. Essos, Univers Market, deuxième étage, contact 653 38 38 28, 699 34 33 46. Envie de vous détendre dans un cadre restreint, responsable ? Gaff Hotel est l'endroit idéal pour des personnes en quête de sérénité et qui souhaitent vibrer au rythme de la capitale économique du Cameroun. Le Gaff Hotel vous accueille à Douala Akwa, rue Drouot, à côté de l'école Sébec Émilie Sacker, et son agence annexe à 50 mètres du palais d'Ika Akwa, non loin de l'hôpital La Quintinie, et vous propose un service de conciergerie ainsi qu'une connexion Wi-Fi accessible gratuitement, une vingtaine de chambres et suites climatisées VIP et au standing équipées, des infrastructures de dernière génération, téléphone, télévision par câble à écran plat, système OSHUD, froide, dans des douches, parking sécurisé de plus de 50 véhicules, une réception ouverte et des groupes électrogènes pour relais électricité 24h sur 24 dans l'ensemble de ces locaux.
le Gave Hotel, c'est également un espace bar lounge, une salle de fête et conférences, un restaurant et service traiteur. Nous disposons également d'une navette pour prendre les clients, d'une plateforme de réservation en ligne, d'une page Facebook, Instagram et d'un site web. Pour nous contacter, appelez le 695 55 81 87, le 652 29 64 65, le 656 23 13 50. Gave Hotel pour un séjour de grâce. Ok. Baby. Mado, Congo meat, everybody Congo meat, one two step like a Congo meat, freestyle like a Congo meat. Dab, j'ai l'argent, tu as le piment, on fait comment? Eh, Mado, Congo meat, everybody Congo meat.